Et voici le lac d'amour, un amour de petit lac, avec toutes les montagnes qui le surplombent. Là, c'est la Pyramenta. Et puis, il me reste plus qu'à monter là-haut. Enfin, pas au sommet, à gauche là-bas. Alors, le lac d'amour, ben, ça a l'air connu comme bled. Parce qu'à l'heure du monde, il n'en manque pas. Il y en a partout. Moi qui pensais trouver un lac vide, avec personne, purée là, faut y venir l'hiver pour qu'il y ait personne. C'est de vraies colonies. Y a même le chien et tout. Bon, on va pas s'attarder, on va continuer tranquillement. Je me disais bien que ça devait être baignable. Bon. Doit pas être bien chouette quand même. Et voilà, c'était la traversée du lac. Col du Tutu, je connaissais pas le nom. En bas, bah, c'est le lac d'amour, là d'où on vient. C'est super. Et là, je suis au pied de la Pyramenta. C'est énorme comme barre. Il y a peut-être qui le grimpe, mais pas moi. Moi, je suis pas tout seul, il y a du monde. En bas, c'est le barrage de Roseland. Enfin, le lac du barrage, en tout cas. Et là, on va descendre de l'autre côté. C'est un peu scabreux, mais ça passe bien. Pour rejoindre là-bas, on va arriver vers le col du Bresson. Là-bas, il y a un refuge. Après, on va monter jusqu'au col là-haut. Ça risque d'être raide, on verra bien. Joli rando. Voici arrivé au refuge du Presset. Là-bas, ben, on voit la Pyramenta sous un angle super canine, on va dire. C'est vraiment impressionnant. Dire que j'étais là-bas au petit col du Tutu, là, comme ils appellent ça. C'était très raide, déconseillé aux gens qui ont un peu peur, et puis c'est du rocher. Là, c'est le col du Bresson, alors là, c'est plus facile. C'est le GR qui passe là-bas. Et à côté du refuge, évidemment, il y a le lac du Pressé. Que voilà, il est très joli ce petit lac. Et maintenant, ben, je vais monter jusqu'au col du Grand Fond là-haut. Puis essayer de passer derrière sur la brèche de Parauzan. C'est chouette ici, on est bien enfermé dans les montagnes. Du Grand Fond, on traverse par un petit sentier assez facile, hein, et qui va déboucher sur la brèche de Parauzan qui est là. Après, on va voir la descente derrière commencer. Au pied de la brèche, il y a quelques petits lacs, c'est sympa. Au bout, ben, le Mont Blanc, comme d'habitude, il est partout celui-là. Et bien, m'y voilà dans cette superbe brèche. Il y avait encore un petit lac qui se cachait. Ça, c'est de la brèche monumentale, très esthétique. Alors, la descente, c'est là. Bah, j'ai vu qu'il y avait du monde, donc je serai pas tout seul.
fabuleuse éboulie. Ça fait longtemps que j'avais pas pris autant de plaisir en descente en montagne. Voilà. Alors on peut pas le descendre tout droit parce qu'il n'est pas assez instable. Mais il y a des endroits où on peut y aller à fond. Bon, c'est superbe. À conseiller et à refaire. Un peu plus bas dans l'alpage. C'est vraiment un cadre magnifique. C'est comme un grand cirque. Le sentier de Parauzan descend direct après à Trécol en suivant un petit ruisseau par la droite. Donc à partir du chalet de Parauzan, si on se perd, il faut partir sur la gauche pour rejoindre le ruisseau. Et après, on arrive tranquillement au GR, puis à la route qui nous ramène à la voiture. C'est très joli par ici, il y a des cascades un peu partout. Avec le bruit de l'eau, c'est joli. Et la vue sur la Pierre Menta, c'est balèze quand même. Bah, c'était une sortie qui valait vraiment le coup aujourd'hui. Voilà la petite rando du jour. Donc montée à la Pierre Menta. Par le lac d'Amour. Après, passage derrière toute la crête. Jusqu'à la brèche du Parauzan. Et descente directe au Trécol. Sacrée journée. Hein.